Et salut toi derrière ton écran, c'est Gamier, j'espère que ça va comme tu veux et j'ai envie d'éternuer sur Rib. Aujourd'hui on se retrouve pour le 20e match. Non, le 19e match en fait, parce que il y a boulette dans la compétition en fait. Le jeu a pas le même calendrier que le réel. Ce qui fait que j'ai joué un match en fait. J'ai joué un match qui est censé être après celui-là, sauf qu'en fait, il est censé être avant. Il est censé être après. Bref, dans le jeu il est avant Espagne Chili, et alors qu'en réalité il est après. Bon, j'ai pas compris, donc du coup j'ai d'habitude jouer Cameroun Croatie, voilà pour te dire. Et dommage, je comprends pas trop, donc du coup en fait c'est pas le. En train d'afficher en fait dans ma tête, enfin, je réfléchis souvent dans ma tête vraiment dans mon pied. Oui c'est ça, parce qu'en fait voilà j'ai joué Croatie-Cameroun, dans le jeu il me l'a mis avant, donc j'ai pas compris pourquoi, donc j'ai dit donc Croatie-Cameroun, là bah, j'ai dit ouais 19ème match, oh, c'est le 20ème, c'est celui-là le 19ème, on va écouter l'hymne. Confrontation entre l'Espagne et le Chili. Donc là forcément si tu me connais tu vas dire ah, il a pris l'Espagne. Et ben non j'ai pris le Chili. Déjà un parce que j'ai dit que je jouais voilà avec tous les. Ça je vais le laisser maintenant, ça fait le petit résumé, qui c'est rapide. J'ai dit que j'allais jouer. Oh les couleurs. J'allais jouer avec toutes les équipes. Chaque groupe, au moins une fois. Et surtout parce que bah là où je le fais, match Pays-Bas-Espagne, bah, c'est fini. Et l'Espagne a vraiment fait de la grosse merde. J'ai pas du tout. Dommage, je suis pas du tout apprécié déjà le pénalty qui n'existe pas. Hein, donc l'Espagnol se laisse tomber, l'arbitre lui, ouais, pénalty. Donc ils ont marqué sur pénalty, c'est déjà dégueulasse. Et les Pays-Bas voilà, se sont défoncés pour marquer pas mal de buts. Au cas où tu l'as pas vu, ce qui m'étonnerait à l'heure où cette vidéo tu uploadais. Même si tu connais pas les résultats, ça m'étonnerait. Bon, bref, ils ont marqué pas mal de buts, dans le doute, je dis pas. Et oui, c'est piétiné. Et c'est un truc de taré parce que il le mérite tout simplement. J'ai beau être pour l'Espagne, j'aime pas voilà gagner sans le combat, c'est pas la peine. Il y avait des très très beaux buts et j'avais pas envie que l'Espagne le Pays-Bas subisse le même sort que la Croatie face à le Brésil pendant le match d'ouverture, c'est-à-dire se faire battre alors qu'ils ont super bien joué et que les autres sont juste avantagés par l'arbitrage. Donc voilà, le premier match, un match arrangé, c'est clair et net. Donc voilà, j'ai pas envie qu'ils subissent le même sort, donc je trouvais ça plutôt sympa que le Pays-Bas mette autant de buts à l'Espagne, que Casillas est vraiment une grosse quiche. Sur les balles simples, c'est vraiment une quiche. Donc c'est bien, ça va leur remuer un peu le ciboulot. Et c'est pas plus mal, parce que c'est une bonne équipe, ils ont des bons joueurs, et ils se reposent trop sur leur acquis, et c'est pas comme ça que tu peux faire une match. Et une belle compétition, voilà. Donc du coup, je prends le Chili, double raison. Double raison. Je sens pas avoir déjà pris le Chili. Hein. C'est pas possible, j'ai pris Chili vu qu'il n'y a que deux matchs, donc j'ai pris le Brésil, non le Brésil c'est j'ai pris l'Espagne, dans les premiers matchs j'ai pris l'Espagne. Ouais. Ah trop tard, hein. C'est vrai que là du coup c'est bien, ça fait un match un peu plus serré pour la bonne raison, c'est que forcément j'ai beau avoir le Chili, donc ça y est comme j'ai dit, c'est un match, je commence à être avantagé parce que je connais le jeu. Mais quand j'ai une équipe comme ça face à moi, c'est pas non plus si simple que ça, donc ça donne un peu de spectacle. Voilà. Je marque pas, sans peut-être pas un milliard de buts. Voilà, ils me prennent facilement la balle, hop. Aussi facilement des erreurs. J'essaye de faire des centres, mais la défense est très très compacte. Ils sont tous là d'ailleurs. Partiment personne en attaque. Ah, dommage. Flûte zut. Ça va être un peu plus serré, peut-être même un 0-0, qui sait.
Une fois que c'est pour l'ordinateur, le hors-jeu est pas pour moi. Je vais pas m'en plaindre. Sincèrement. Hop. Allez. Ah, c'était finement joué. On donnait la balle à l'adversaire. On en parlait demi, comme je dis d'habitude. Ah, hein. Allez, allez. Allez. Allez, non, oui, non, ouais, ouais, oui, 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 il y a moyen sur un truc. Ouais, mais c'est de centrer, mais les gars. Ah, bien joué. Oh, c'est des malins, les mecs, c'est des malins. Allez. Non, oui, non, hop. Allez. Oh là là, la reprise peut-être. Non, que dalle. Oh là là, mais y a personne. Tout le monde en défense au Chili ou quoi? Ah, je raconterai une petite anecdote d'ailleurs à propos du Chili là en deuxième partie. Non mais sinon il y a hors jeu. Ok, 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 pourquoi pas. Qu'est-ce que je fais? Ok. Donc ouais, je raconterai une petite anecdote, ça va être drôle. Je pense que ça va être drôle, mais je sais pas comment j'allais raconter vu qu'il y en a peu. Enfin, les limites quoi. Pour rester grand public. À propos du match du Chili. Le match du Chili s'est joué aussi, son premier match. Là, je joue le deuxième. Et là, à l'heure où je le fais, le match. Ah, encore le bug du rang. À l'heure où je le fais, le match du Chili a été joué également. Comme quoi, j'ai quand même pas mal d'avance à chaque fois. J'ai du mal vraiment à pénétrer leur défense. Ah là, c'est l'occasion, c'est l'occasion, c'est l'occasion. Non, mais non, mais non, mais non. J'en aurais pas un milliard des occasions, j'en aurais pas un milliard. Allez. 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 T'es hors jeu, mec, t'es hors jeu. Putain, il se fout hors jeu. Putain, j'ai rien pu faire, il se fout hors jeu, quoi. Y'a personne pour intercepter ça. Faut pas déconner, les gars. Bah, ça sert à rien que je centre, dans tous les cas, ça passera pas. Ah oui, alors, carrément. Alors, Casillas, il dit bon, là, dans le jeu. Faut arrêter les bitons. Ah, ça mérite, t'as pas vu le match Espagne-Pays-Bas, ça vaut le coup d'œil. Hein. J'ai quand même pris une tollée monumentale pour le premier match de l'Espagne. Moi, sincèrement, j'allais sourire, même si je suis vraiment pour l'Espagne. Profondément, je suis pour l'Espagne, mais bon. Oh, mais non! Oh, elle rentrait celle-là, elle aurait été cadrée, alors elle rentrait. Persuadé qu'elle rentrait. Et ouais, elle rentrait, bordel. Putain, fiche. Allez, on se concentre. Je pense pas que je pourrais marquer avant la mi-temps. Ça change un peu. Ah mais... Ok, hors-jeu. Hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Mais ok, hors-jeu. Ce qui m'intéresse, c'est de marquer pour l'instant. Hors-jeu. Mais il va pas la chercher la balle, surtout. Hein. De fou, ça. Je veux pas passer. Bordel. Y'a personne, mec. Y'a personne. Y'a personne de... Y'a personne de nulle part, quoi. Hors-jeu. N'importe quoi. Ah, putain. C'était pas un tir, hein. c'était une sorte de passe aérienne. Pseudo centre, pas vraiment. Ouais, je sais pas. Ok. Ouais. Est-ce que je change mes joueurs? Là, par contre, je pense que je vais faire un changement. Hop, gestion d'équipe. Effectif. Affligeant, ok, on a eu droit, c'est pas étonnant. Hein. Pour marquer, hein, il faut avoir envie de marquer. Il faut avoir envie de marquer quoi. Je les entends derrière les autres. Bon, on les entend beaucoup moins maintenant parce que ouais, ils m'ont saoulé et ouais, moi je parlais par dessus. Alors quand je joue, ça va, mais sur la vidéo, je me suis rendu compte que c'était un bordel monstre. C'était assez inécoutable quoi. Allez, DCG. Donc, on va remplacer par je sais pas pourquoi. Voilà, voilà. Et puis c'est bon. Allez, et donc je racontais ma petite anecdote. Il y a Marlène, je sais pas trop qui, je me rappelle plus du nom, désolé, bon, qui est une actrice chilienne, film pour adultes,
qui avait balancé sur son Twitter que si le Chili gagnait le match, elle offrait 8 heures de... comment dire, 8 heures de bon temps, hein, avec ses followers sur Twitter. Attendez que ils ont gagné 3-1 en plus. Elle a offert, je crois, 12 heures. Et c'était pas du mytho parce que voilà, ceux qui ont pu noter son numéro a parlé furtivement sur Twitter. Et donc, ceux qui ont été sélectionnés, on peut passer. Voilà, 12 heures, c'est quand même pas mal. Hein ? J'aurais pu le prendre. Donc du coup, je sais pas trop comment ça s'est passé vraiment, hein, dans les détails. Apparemment, elle a posté des photos sur son Twitter qui a été suspendu d'ailleurs. Enfin, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Donc, il était suspendu. Ça ne m'étonne pas, non, à nouveau d'ailleurs. Et là, elle compte faire 16 heures pour le match que je joue là. Elle compte faire 16 heures. Voilà, donc 16 heures. Si je pense le troisième match du Chili, ça sera quoi, 20 heures. Bon, bah, j'espère que le Chili gagnera pas la Coupe du Monde. Hein. Sinon, je pense qu'il y aura des petits problèmes physiques. Donc, voilà, je sais pas. En tout cas, je sais pas si c'est genre tout le monde en même temps. Genre, je sais pas, c'est 8 heures par exemple, il y a 8 mecs. Donc, c'est quoi, c'est 8 mecs pendant 8 heures ou c'est chacun 1 heure. Enfin, je sais pas, bref. Peut-être aussi Nana, hein, je crois que le mec, forcément. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, c'est après parler d'elle. Et voilà. Et je trouvais ça drôle. Voilà. Trop trash. Ça a été compliqué de me raconter ça sans tomber dans le graveleux, mais voilà. Et c'est voilà, ça m'arrive quelque chose, enfin, en même temps. Un petit moteur de recherche, Twitter, Chili, porno, et je pense que tu devrais trouver ton bonheur. Moi, je pense que je devrais marquer des buts. On va tenter le truc. Oui, interception. Voilà. Ah, mais on finit par marquer. Pourquoi le son se barre? Je sens qu'il s'est barré d'un coup. C'est pour que sur la capture, ça l'a pas fait, que c'est juste sur le retour en télé. Putain, les mecs. S'ils avaient été aussi bons pour les Pays-Bas, ça aurait été drôle. C'est pas en jeu, c'est pas en jeu. Je peux rien faire. Ah oui, mais les mecs, ils ont une défense de fou. Non, là, sincèrement, ça semble 0-0. Si je me prends pas un but, je suis pas mieux. Je pourrais. Ouais, je sais plus le mot, mais je pourrais quoi. Ah, mais il court pas assez vite. Sont à la lutte. Et ouais, c'est plutôt pareil. Oh. Et ouais, non, sincèrement, là, je suis un peu bloqué de tous les côtés. Je cherche des solutions, comme ils disent. Je cherche des solutions. Ouais. Oh, ça pue. Allez. Non, mais les mecs. Ah ouais, ok, d'accord. Voilà, c'est là le problème. Si là je passe en pro par exemple, dans des matchs comme ça, en difficulté, parce que j'en ai parlé, je crois, dans ce match là ou dans l'autre match, je sais plus, qui passe du coup après. Hein, si je passe en pro, j'ai pensé à passer en pro en gros. Mais là, si je passe en pro, voilà quoi. Dommage. Ça a été concret, j'ai même pas le gardien. Allez. Mais putain, les mecs, y a toujours quelqu'un dans la surface pour dégager le ballon, c'est un truc de fou. Sérieux quoi. Et ouais, jamais faire demi-tour comme ça. Là. Ça sert à rien, oui, tu dois récupérer tout de suite. Putain, ça sert à rien. Ouais, vraiment. Ça, c'est quoi le mouche poème? Ça pue. Voilà. Et voilà. Ouais. Non, c'est bien joué, hein. Ah, j'en étais direct là. Bah. Ouais, comment dire. Ouais, je pense que je vais me bouffer une défaite. Hein. S'il me reste, je sais pas. Je sais pas du tout. Là, je cogite comment faire pour. Et j'ai changé mes joueurs, je les ai changés. Je les ai remplacés. Là, alors il faut lui prendre la balle maintenant, là. Non, mais ça repart de l'autre côté.
Allez, il y aura pour qui, pour qui, pour moi. Pour moi, non. Allez, allez. Allez. Ah ouais. Vous le dehors. Putain, mais mec. Non mais là c'est bloqué, je peux rien faire. Allez. Oh non. C'est n'importe quoi. On va ranger de toute façon. Hein ouais. Oh. J'étais vraiment mal placé. Ouais c'est fini, hein. Il va dégager, tombe récupéré. En plus il joue sur le bord là. Non, c'est foutu. Ouais, il joue à fond sur le bord, c'est bon. Allez! Allez, peut-être l'égalisation de cette action. Allez! Je sais pas où aller, je sais pas où aller. Mais putain! J'allais frapper! Putain, j'allais frapper quoi! Mais non, putain, c'est pas lui, c'était pas lui, c'était à l'autre. Ah putain, il y a eu une occasion. Ah putain. Je suis dégoûté. Voilà, ce qui est drôle en plus, c'est que ça, j'en ai parlé des défaites et des victoires. Je crois que j'en ai parlé dans le match suivant. Justement, j'ai tourné avant. Ça va être drôle, tu regardes les deux, ça va être drôle. Bon, bah voilà, qu'est-ce que je peux dire 1-0, je vais avouer un coup. Voilà. J'ai essayé de tenir, mais bon. En même temps, je pense que ça me paraît être un résultat vraiment réaliste. 4-0, 5-0, voilà quoi. Donc, bah, écoute, je ne peux dire quoi de plus. Hein, je me suis pris une tollée. Enfin, une tollée. Petite défaite. Une défaite quand même. Donc voilà, j'ai eu deux occasions, j'aurais pu conclure, mais j'ai mal joué. Allez, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, pardon. Et n'oublie pas, car moi je n'oublie pas, tchuss.